Allez, il est 30, on va démarrer. Ohio, les amis, bienvenue sur cette. Comment dirais-je? Cette session live spéciale Métaphore, donc qui sort aujourd'hui. J'avais fait la VOD en 4K sur YouTube quand la démo était sortie. Et Prams, Augustin! Et maintenant, on va se lancer sur le jeu. Oui, mes oreilles. Bien vu, l'Ohio. Bravo. On va se lancer sur la suite de la VOD, du coup. Comme ça, vous pourrez accrocher les wagons avec le YouTube. Et comme on est sur PC, le jeu, là, il est figé. Je vais le lancer. Attention à tes oreilles à ton tour, Auguste. Voilà, ça va bouger. Il va y avoir du son. Ah, j'avais baissé. T'as de la chance. D'ailleurs, on va aller voir dans les réglages s'il y a des paramètres de son à remonter. Non, on est plutôt bon. Alors, bruitage, doublage. Ouais, j'avais mis les doublages un peu plus forts. Bah, du coup, je vais recouper et monter le son du stream. Voilà, on devrait être bien là, normalement. Attention, c'est parti. Réglage en direct. Ouais, voilà. On est bien là. Comment il va, le Augustin? J'allais dire ce matin, mais non, ça y est, c'est déjà le midi. Bientôt le week-end, les amis. Pour ceux qui n'étaient pas là, on s'est fait du Dragon Ball Sparking Zero ce matin. Il sort aussi aujourd'hui. Et là, donc, c'est du Day One PC encore. Métaphore. Re-Fantasio. Voilà. Ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé à pousser un peu plus loin. Il y a des trucs que j'ai moins bien aimé. Quand même. Mais dans l'ensemble, ça allait. Après, est-ce que j'aurai le temps de vraiment jouer à ce jeu? Grande question. On a une grande autoroute vers Noël, là, qui a démarré un petit peu il y a 2 semaines avec Zelda, mais ça s'est calmé. On a repris une petite route de campagne. Et là, on revient sur l'autoroute. Et il va y avoir que des grosses sorties jusqu'à mi-novembre, je dirais, pour préparer Noël. Et notamment pour ceux qui sont fans de JRPG, hein, ça va être compliqué. On a des sorties, par exemple, le 24 et le 25 octobre, de deux gros jeux de rôle. Voilà, et puis ça continue en novembre. Donc, et puis il y a ce jeu qui va pas durer que quelques heures. Métaphore, Re-Fantasio, est-ce que tu as regardé un petit peu à droite à gauche des choses sur le jeu ou pas du tout, Augustin? Nasumi Masen Turbo, c'est un gros hit japonais par mois avec le TGS. Peut-être bien, ouais. Donc j'ai recommencé ma run que j'avais fait sur la VOD hier soir. Je me suis dit tiens, je vais m'arrêter là et puis on fera ça dans le live finalement. Donc on va charger cette sauvegarde. Donc pour rappel, hein, la première VOD sur YouTube en 4K et là on repart sur du 1080p puisqu'on est en stream. La première est no comment. On peut avoir un résumé. Mémorandum humain. Magie, histoire. Ah ouais, on a toute l'histoire là, si vous voulez. Pas très long. Hein. Bon, si, quand même, c'est en 2-3 parties. Capitale, voilà, village secret, tout ça. Donc ça, c'est tous les trucs dont on parle, à droite à gauche. Ok. On voyait déjà les menus, hein, ils sont très Lazaretto-like. Je pense qu'il a dû péter une pile quand il a lancé le jeu. Coucou Caro, comment ça va? Caro qui se divise en deux. Parce que de l'autre côté, on a le copain Terry, hein, qui fait du selfos, si vous voulez, du moins verbeux, comme je disais sur Twitter. X. Et ben il y a le jeu édité par Maximum Entertainment qui est sur la chaîne Just for Game. On a un autre copain encore. Data Reaper, je sais pas si tu le connais, Caro Game. Il mérite d'être connu. Hein. Data Reaper, il stream aussi. Voilà. C'est le vendredi midi. Hein. Du coup, on en était allé se pioter. On va popoter un petit peu avant. Le pouvoir que tu as utilisé, je n'ai jamais rien vu de tel. C'est un type de magie?
Non, impossible, pas avec les catalyseurs qu'on nous a fournis. D'ailleurs, ton catalyseur semblait s'être brisé. Bon sang, si seulement j'avais eu ses pouvoirs à l'époque. Désolé, je parle tout seul. La journée a été fatigante pour nous deux. Allons nous reposer. Et on parle à Grius et après au lit. Donc Grius, c'est celui qu'on devait retrouver dans la VOD, le personnage qu'on devait retrouver. Et puis si vous vous êtes gentil, je vous raconterai un petit peu l'histoire pour ceux qui n'ont pas toujours pas regardé la VOD YouTube. Écoute, on va lui faire un shout-out. Mince. Alors ça, là, ça vous coupe le son et tout ça. Pardon. On fait ça vite. Hop, voilà. Comme ça, en plus, il l'aura en live. Et Caro, tu pourras connaître. Franchement, je t'invite à follow. Sans problème, les yeux fermés. Hop, j'ai remis le jeu. Semblait avoir des questions sur ce pouvoir. Je voulais te demander, tu as l'air d'en savoir vraiment beaucoup sur la famille royale. Qui étais-tu avant d'infiltrer l'armée? Il y a ton pire, I love my console. Oui, il y a aussi mon pire. On dit comme ça dans le Schnorr? C'est un ami d'enfance, hein. Mon pote. Ouais, mon pote, ok. Ah, c'est un ami même, hein. Je connais depuis plus de 30 ans. Coucou Gunther! J'étais là à la nuit de l'attaque. Vraiment? Je ne savais pas. Gunther est là. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit résumé pour ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire? Que ça vous dit? Gunther, il va dire oui, bien sûr. Ok. Donc le personnage là, le protagoniste, c'est Kabuki. Et à côté, il a une petite fée qui s'appelle Galica. D'accord? Lui, ce qui s'est passé, Kabuki, c'est que il s'est rendu dans une ville. J'ai oublié le nom, parce que là, on est au tout début du jeu. Il s'est rendu dans une ville pour se faire recruter dans l'armée parce que il devait retrouver un contact, d'accord, pour lui confier une mission secrète avec Gallica. D'ailleurs, c'est Gallica qui avait le tenant et les aboutissants de la mission. Donc, on s'est infiltré dans l'armée. On était dans une grande ville. Mais entre-temps, on s'était fait attaquer et tout ça. Et ce qu'on avait vu en tout premier préambule. C'est que le roi de la région là s'est fait assassiner. Voilà, par un certain Louis d'ailleurs. Donc le roi s'est fait assassiner. Notre ami Kabuki, c'est un Elda. Donc c'est ce qui se rapproche le plus pour nous, hein, pour nous, j'insiste, d'un humain. Et si on regarde les autres personnages, ils sont différents. D'accord, l'autre il a des cornes sur la tête, tout ça. Donc il y a différentes races dans le jeu et nous sommes de la race Elda. Et apparemment, c'est une race en voie de disparition. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on a affronté un. Quand on s'est infiltré dans l'armée, il y a tout de suite eu une attaque et tout ça, dès qu'on a posé un camp. Donc, on est allé voir ce qui se passait. Il y a une garnison un peu plus loin qui s'est fait attaquer. Et du coup, ils se sont fait attaquer par un humain, justement. Ils appellent eux un humain, que nous, on n'appellerait pas ça un humain, les amis. Je préfère vous le dire direct. Si on va peut-être dans les menus, ça c'est Y, non, on va pas se reposer. Peut-être qu'on a un bestiaire, hein, je sais pas. Tac, 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 didacticiel, histoire, mémorandum, peut-être, peuple. Voilà, alors vous avez les peuples ici, voilà, donc la tribu des Eldas, les Clémars, les Lusantes, les Paripus, tout ça. On a même Gallica, voilà. Si on regarde un peu les photos, donc ça c'est nous. Clémars, voilà, ils ont des cornes sur la tête. Tribu Lusante, c'est plutôt des oreilles pointues façon elfe, je dirais. Les Paripus, ils font un peu furie. Voilà. Le prince, alors voilà, le prince, c'était un ami d'enfance de notre ami Elda, qui est Kabuki. C'est un ami d'enfance. Bon, lui, il a perdu un peu la mémoire, donc il se rappelle quelques bribes. Mais en gros, pour vous la faire courte. Le prince a été maudit. Donc là, il est dans un coma avec plein de traces de malédiction, on va dire, sur le corps, à la japonaise. Et
Et le père donc du prince, donc il a été caché le fils, hein, d'accord? Le prince a été caché par un mage qui est pote avec lui là. Il a été ben, voilà, pour pas qu'il soit terminé en gros. Hein. Donc il est maudit mais il n'est pas encore mort. Et en même temps le roi est mort. Donc tout ça tué par un méchant qui s'appelle Louis. Et en gros pour vous la faire court, donc on s'est rendu à une garnison, on s'est infiltré dans l'armée pour rencontrer quelqu'un. Donc on s'est infiltré. On s'est retrouvé dans un gros bordel, on n'a pas eu le temps de bien chercher notre pote et tout, parce qu'il y a eu une attaque d'un humain, qui est un monstre en fait dans le jeu. Et devoir, culture, j'essaie de vous montrer, mais bon, nature, humain, voilà. Vous avez vu la gueule de l'humain là? Il a quatre bras, trois jambes, enfin bon, des ailes et tout. Et on a trouvé donc notre contact, qui est Grius, d'accord? Grius, c'est lui. Un costaud, hein. Mais même si tu l'écoutes, lui, Louis, c'est un ouf à côté. Louis, à 10 ans, c'était déjà un stratège, un maître de la magie et tout ça. Donc, bref, on est venu dire à Grius qu'il faut buter Louis. Voilà. Le problème, c'est que Louis, il est kiffé par toute la population. Donc, on ne peut pas le buter comme ça. Ce qui va se passer, là, pour vous la faire encore plus courte, c'est qu'il va y avoir les obsèques du roi. Et donc, on va se rendre aux obsèques en mode incognito. Puisqu'on est censé être mort tous là, vu que la garnison s'est fait attaquer. Donc on va passer en mode incognito et on va buter le Louis. Voilà. J'espère que tout est clair pour vous, même si c'était un petit peu brumeux. Sinon, ce que vous faites, vous allez voir la VOD sur YouTube. Ça dure 1 heure et quelques. Et vous l'avez en 4K. Et en temps réel. Allez, on est parti. Salut gosse, comment il va? Ah ouais, ça a changé, Persona. Hein. Donc là, on se repose maintenant. Bon, entre-temps, notre personnage, il s'est révélé une sorte de pouvoir à lui. Il a transformé en espèce de gros berserk robot qui a tout niqué. Comme ça qu'on a battu l'humain. Mais il sait pas pourquoi, il sait pas comment. Une voix lui a parlé. Une voix féminine. Tu as du mal à fermer l'œil, je te comprends, après tout ce que nous venons de traverser. Essaye quand même de te reposer un peu. Alors on a souvent plusieurs choix pour répondre, et ça c'est cool. Le sol n'est pas confortable. Non, on n'est plus du tout dans les mêmes mobs. C'est ça qui est... En tout cas de ce que j'ai vu pour l'instant, Augustin. Ouais, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gars qui ont fait Persona, ils étaient quand même assez... inspiré de Wizardry, si vous avez connu. D'accord? Donc, ils ont fait. Il y a pas mal de systèmes dans les Persona qui sont issus de Wizardry. Mais ils ont toujours fait des jeux, plus ou moins néo-actuels ou néo-futuristes. Et là, ils repartent vers de la fantasy. Ils ont vraiment voulu donner leur vision de la fantasy. Et le projet a 8 ans quand même. Hein. Ils ont mis 8 ans à faire ce putain de jeu. Eh bien, tu vas devoir te faire violence jusqu'à notre retour à la capitale. Tu sais, lors de l'attaque de l'humain, j'ai entendu une voix étrange. Donc c'est la voix qui nous a parlé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, étant ami avec le prince, donc le fils du roi, le prince adorait un bouquin. Et dans ce bouquin, ça raconte, ça parle d'une utopie, un monde où il n'y aurait... qu'une seule race de leur vision, vous voyez, c'est, il n'y aurait pas des Eldas, des, voilà, il y aurait une race un peu commune, avec pas plein de différences, mais où tout le monde s'entendrait avec des règles bien définies, où tout le monde serait égaux et tout ça. Et en gros, ça parle de notre monde à nous. Mais pour eux, en fait, c'est une fantaisie, une utopie dans un bouquin. Notre héros se trimballe toujours avec ce bouquin, parce que c'est un souvenir qu'il a du prince. Avant qu'il tombe dans le coma. Voilà, je pense qu'il y a il y a un gros sujet là-dessus dans l'histoire du jeu. Cette voix me disait de te guider, que c'était mon devoir. À ton avis, qu'est-ce que cela signifie? Je veux dire, je n'ai pas été un guide exemplaire jusqu'à présent. J'avais juste à délivrer un message et ça a failli te coûter la vie.
Je n'ai pas vu le danger arriver, j'aurais dû montrer plus prudente. J'ai l'impression que tout ça est de ma faute. Ce n'est pas de ta faute. Tu dis ça, mais... Écoute, je ne peux pas me battre à tes côtés, mais... Tant que tu seras en danger, j'essaierai de t'aider du mieux que je peux. T'as quelque chose de spécial, Kabuki. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit, mais je crois en toi. Oh, tu sais comment on tire profit de l'insomnie? En bouquinant, bien sûr. Donc ça, c'est le bouquin du prince. Hein. Si seulement notre monde ressemblait à celui de ton roman. Ici, tout n'est que succession de guerres alimentées par les arts du magla. Donc le magla, c'est la magie locale. C'est une belle fiction. Profites-en tant que tu peux. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi, hein, quand le jeu démarre au tout début, le jeu s'adresse à nous et nous demande notre prénom. En nous disant bien que ça ne sera pas le nom du protagoniste. Hé, hein. Hey, Bijou qui arrive après la guerre. Et Bijou qui récupère le clone Boki. Merci Bijou pour les points de chaîne. Yahari, kimi wa kyoumibukai. J'ai l'impression qu'on s'est rendormi et qu'on fait une sorte de rêve. Hein. Homme étrange, voilà qui est fascinant. Lorsque votre cœur est au plus près du livre, je peux entrer en contact avec vous. Voilà qui explique cela. Mon nom est Mort et je suis l'humble auteur du roman que vous êtes en train de lire. Vous vous trouvez dans mon bureau, pas mal, n'est-ce pas? C'est un lieu de sagesse, construit dans le but d'étudier certains pouvoirs. Que c'est beau, les amis. Je l'appelle Academia, Meia. Academia, quoi. Là, c'est autant une geôle qu'une bibliothèque. Sa très miséricordieuse majesté a jugé bon de m'enfermer dans cet endroit. Et Rémi qui vient choper. Pardon, pardon pour tout, les amis. Et voilà donc Rayleigh qui arrive en grande pompe. Comment ça va, Rayleigh? J'ai dû prendre des news auprès de Chiraldi parce que j'avais pas de nouvelles de ta part et je me suis dit mince, qu'est-ce qui se passe? Et après j'ai appris que tu t'étais barré en vacances, quoi. Donc tout va bien, les amis. Rayleigh va bien. Il est juste en vacances, au soleil. On le mettra après le Clown Buki, le Bakeneko, du coup, Rayleigh. Et on est reparti dans l'histoire. J'espère que tout va bien pour toi. Ah bah c'est clair que là, on l'a eu bien comme il faut. Hein. Ça va, je suis à Monaco et toi, ainsi que le chat. Le gars est à Monaco, s'il te plaît. Toutes ces épreuves m'ont quelque peu affaibli. J'ai oublié où se trouve mon bureau dans le royaume. Je
Jamais je n'aurais imaginé que ma voix franchirait ces murs. Mais vous voilà, grâce à un mécanisme qui m'échappe, je peux maintenant communiquer directement avec votre esprit. Donc tu lis un bouquin et tu es connecté à l'auteur qui est enfermé dans une espèce de bibliothèque géante. Donc tu communiques avec l'auteur par la pensée. C'est une tuerie, Caro. Hein. Je sais pas comment le dire autrement. Hein. J'ai juste fait quelques heures de la démo et je peux te dire que déjà, avant même de savoir de quoi ça parle vraiment, d'y avoir vraiment joué, etc., je peux te dire que si c'est pas truqué, c'est le GOTY de l'année. Et pas de la décennie, comme diraient certains. Alors, que diriez-vous de forger une alliance? Oula, oula, oula. Quel genre d'alliance? J'imagine que vous voulez en savoir plus, par exemple, sur la nature exacte de ce pouvoir fascinant qui est maintenant le vôtre. Est-ce que tu as fait les Persona ou Shin Megami, Caro? Vous savez maîtriser la véritable magie, nul besoin de recourir à des babioles. Vous contrôlez directement le magla brut en vous. Vous pouvez même modifier votre apparence. C'est par-dessus tout une magie d'arcane, l'étoffe des légendes, que j'ai fini par appeler les archétypes. Eh ben, c'est la même bande hein, qui ont fait les Persona. Même le gars qui faisait les musiques, qui s'est barré d'Atlus pour se monter en freelance, ils l'ont rappelé, et d'ailleurs il s'en est mis plein les fouilles de ce que j'ai compris, hein, pour qu'ils composent l'OST et puis qu'ils leur vendent en gros quoi. Ah ouais, c'est une tuerie. Archétype. L'esprit des vertus héroïques. Un pouvoir de transformation qui se manifeste en ceux qui incarnent les héros et les rois d'antan selon un aspect fondamental. Alors je crois que les archétypes, on va sûrement le voir rapidos, mais c'est les jobs, hein. C'est les métiers dans certains RPG. Bon, ça fait plaisir de te voir en tout cas, Rélie. Alors, Augustin. Il nous amène une précision parce que c'est monsieur Méloman. En fait, Shoji Meguro était employé chez Atlus. Après Persona 5 Royal, il a décidé d'être en freelance. C'est ça. Sauf qu'il revient là, vendre ses morceaux à Atlus pour ce jeu. Du coup, ça permet de garder la même équipe. Les héros de l'Antiquité sont souvent représentés comme des êtres quasi mythiques dont l'apparence transcende celle des mortels. Il ne s'agit pas d'allégorie, mais de vérité. Ouais, il est overcraqué, le gars. Vous verrez, s'il y a un combat, ils ont embauché un prêtre bouddhiste pour réciter des mantras par-dessus l'OST du combat. Il joue avec des tambours, etc., mais aussi des sons modernes. C'est juste une tuerie, les amis, hein. Toutefois, aucune de mes archives ne mentionne un être maniant ce pouvoir avec la même aisance que vous. Peut-être allez-vous devenir un maître absolu, et non un simple manieur. Dans leur forme la plus pure, les archétypes représentent le pouvoir d'un véritable héros, capable de repousser toutes sortes de calamités et de maléfices dans ce monde. D'ailleurs, l'auteur là n'est pas un humain comme nous on l'entend, c'est même pas un Elda. On verra tout ça au fur et à mesure de l'histoire, je pense. En satisfaisant ma requête, je ne doute pas que mon rêve puisse encore se réaliser. Ensemble, nous pouvons restaurer les idéaux du royaume. En échange, je partagerai mes connaissances avec vous, et je vous aiderai à maîtriser votre nouveau pouvoir. Alors, qu'en dites-vous? Acceptez-vous ma proposition? Ben, j'ai envie de dire ça, pas le choix. Pas le choix, pourquoi? Parce que on va clairement rentrer dans une mécanique de gameplay du jeu avec les archétypes. Et en même temps, moi, ça me fait penser à un pacte avec le diable.
Mais allez, pas le choix. On le fait, mais on dit ce qu'on pense quand même. Nous avons donc conclu un marché. Ah, vous voyez, j'aime pas ce truc trop solennel là. J'entends une voix venant d'ailleurs. Mort, un érudit en quête d'utopie. En lui repose la vertu de l'explorateur. Alimente ton lien avec lui, et un nouveau pouvoir qui sommeille en toi pourrait se réveiller. Donc on a une nouvelle kappa, archétype explorateur. Permet à vos alliés d'étudier la classe explorateur une fois cette fonction débloquée à Academia. Étudiant enthousiaste. Ok. Donc il faut tisser des liens avec des personnages particuliers hein, pour augmenter ses pouvoirs. Je sens l'incarnation héroïque de l'explorateur en mort. Didacticiel le système. Pendant votre périple, vous rencontrerez et tisserez des liens avec des alliés. Des gens comme mort qui deviendront vos partisans. Renforcez vos liens avec vos alliés pour déverrouiller de nouveaux pouvoirs, les capacités. Vous n'en découvrirez pas d'autres tout de suite, mais restez aux aguets. Nous nous reverrons certainement. À notre bout de chemin ensemble et aux aventures palpitantes qui nous attendent. Et c'est vrai qu'il est, il a un petit goût particulier, Augustin, le Persona 4 Golden. Et le 3, tu peux le faire en remake, donc je te conseille de le faire après, le Persona 3 Reload, qui est fantastique. On s'est changé ? À partir de maintenant, on voyage incognito. On doit regagner la capacité, la capitale, pardon, sans se faire repérer. C'est fini le clown bookie, on passe au Bakeneko de notre ami Rayleigh, le vieux. Je vous rappelle que c'est Rayleigh qui m'a permis de changer le Bakeneko, hein, qui était abîmé. Donc il m'a offert ce magnifique masque de chat. On va donc couper à travers la forêt. Trouvez le puits de mine abandonné à flanc de colline et empruntez le tunnel pour atteindre l'autre côté. Ni vu ni connu. Hein. Donc ce qu'on avait dit avant dans la VOD, avant qu'on se voit ici en live, c'est qu'on allait éviter les grands axes. Parce qu'il y a pas mal de soldats de ce cher Louis. Du coup, on va prendre un autre chemin et donc ils viennent décrire. Kabuki, tu seras notre avant-garde. Ce qui veut dire que tu vas devoir apprendre sur le tas et t'habituer rapidement à ton pouvoir. Au fait, hier tu en parlais comme si tu avais quelque chose. Comme si tu savais quelque chose à ce sujet. Ah, il faut savoir que le gars qui nous accompagne, l'autre gars, pas le vieux. On l'a rencontré en se faisant enrôler dans l'armée, et lui, en fait, c'est un noble. Pas vraiment. J'ai juste collecté quelques infos lors de mes premières missions. Ce pouvoir serait réservé à ceux qui suivent un chemin vertueux. Pour moi, c'était plus de la superstition qu'autre chose. Mais le champ de bataille ne ment jamais. Maintenant que je l'ai vu de mes propres yeux, je sais que ce n'est pas une fable. J'ai cru que tout ça était derrière moi. Je n'ai jamais réussi à maîtriser ce pouvoir moi-même. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. On a affaire à quelque chose de vraiment spécial, on dirait.
N'oublie pas, au moindre faux pas, je te zigouille. Ouais, le vieux a pas confiance en ce troll. Hein. Je suis au courant. Jetez à l'œil. Coucou Kiminodou, comment ça va? J'ai compris, fais-moi un peu confiance, tu veux? Merci, c'est Riley qui me l'a offert quand je suis allé le voir dans Schnorr. Parce que l'autre était abîmé. Bon, vérifions la carte. On ne risque pas d'aller bien loin si on se perd. Apparemment, ça s'appelle les mines du Nord. En les traversant, on devrait pouvoir se rapprocher de la capitale. Cette route devrait nous mener à Grand Trad. Nous chercherons des détours. Grand Trad, nous voilà. Alors après, on se balade sur la carte. On va sur des points précis, on peut avoir des informations. Donc mine du Nord, c'est là où on veut aller. Hein. Et fort de la frontière, c'est là où il y a eu la castagne. Donc on va aux mines. C'est parti. Les mines du Nord enferment de nombreux boyaux labyrinthiques, dont un qui mène à Grand Trad. Nous devrions pouvoir atteindre la capitale en toute discrétion. Nous allons traverser les mines du Nord. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Hein. Hâtons-nous. Notre priorité est d'arriver à la capitale royale. Je vous rappelle qu'on doit arriver à temps aux obsèques du roi pour en profiter de la foule et buter Louis. Nordo Hai Kozan. Oto no fokusei ni ichi suru Magura Kesshou no Kozan de aru. Oto kara chikai riben sa o kaware. Sakan ni hakkutsu ga okunawarete ita ga. Kinnen seikyoufu kara no kyū no tatsushi de heizan ga iiwata sareta. Augustin, j'aimerais bien que tu entendes la musique de combat parce que selon moi, il y a une partie de la mélodie qui fait fortement penser au thème de Fire Emblem et Houses. L'entrée de la mine devrait être juste devant. Restez sur le chemin. Elle est où la photo de vous deux ensemble? Il faudrait qu'on poste ça sur le Discord, ouais. Ça doit être quelque part sur le Discord. Pardon, je renifle un peu là parce que je peux pas enlever la cam, sinon ça va couper le son. Il faudrait que je me mouche. C'est honteux. Ah, on a une autre botte quotidien, ça fait plaisir. On peut continuer. Je vais te retrouver ça, Kimi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis peut-être en train d'imaginer des choses, mais j'ai l'impression qu'on nous observe. On s'est quand même pas mal enfoncé dans ces terres sauvages, non? Étrange. Pardon, je suis un peu sur les nerfs. Tu cherches une occasion pour te faire la malle, hein? N'oublie pas, jeter à l'œil. Et regardez, il y a quelque chose dans le ciel. Ce grand oiseau est connu sous le nom de corbeau. Il repère ses proies depuis le ciel et leur tend des embuscades. Qu'est-ce qu'on fait alors? Comme si on avait besoin de ça. On peut peut-être se planquer et attendre qu'il s'en aille. Non, il faut continuer d'avancer. On manque déjà assez de temps comme ça et puis... Laisse-moi deviner, vous iriez bien plus vite si j'y étais resté tout à l'heure. Vous n'auriez plus à me tenir à l'œil, c'est ça? Je t'en prie, aie un peu foi en moi. Ah oui, si tu es vraiment à la hauteur, prouve-le. On doit y aller, ne traîne pas. Et le Bakeneko est terminé, les amis. J'en profite pour me moucher pendant que je range le masque. Après, vous allez voir un peu d'action.
Hop là, petit traveling caméra avec la chaise roulante. Donc là, on se déplace, hein, vous voyez. Donc on est toujours dans le jeu. Le jeu, il est comme ça. Ça bouge dans tous les sens. Donc on peut porter le premier coup. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller au fight. Alors faut faire attention, on est quand même dans un jeu dégâts de personnages, Shin Megami. On peut crever au moindre virage. Ça reste des jeux cruels. Bon leurre, Kukaro. Arrêtez, il y a des chiens sauvages par ici. Des Hundos, ils chassent en meute. S'ils nous attaquent tous en même temps, mieux vaut veiller à ne pas se laisser submerger. Ne leur laissons pas la moindre chance de nous encercler. Trouvons un autre chemin pour l'instant. Pourquoi hésitez-vous? Ce ne sont que des chiens sauvages. Un groupe tel que le vôtre ne devrait pas s'en faire. Oui, tu as raison. Alors tu comprends en fin de compte. C'est vrai, il est inutile de succomber à une peur irrationnelle. D'abord, observe tes ennemis. Est-ce la première fois que tu en affrontes de ce genre? Ou te sont-ils familiers? Une fois leur force évaluée, prépare ta prochaine action. S'ils sont plus forts, approche-les avec prudence. S'ils sont faibles, tue-les sans attendre. Maintenant, jauge ce Hundo. Que penses-tu de lui? Ah, comme ça, il faut que je le fasse au pifomètre. Pour moi, on l'a déjà vu. Et donc, il est plus faible. En effet, pour vous qui avez échappé à la mort dans le fort, cet ennemi est plus faible. Appuie sur LT pour activer la vision féerique et déterminer la force d'un ennemi grâce à sa couleur. Les ennemis de niveau inférieur brilleront en bleu. Ceux au niveau équivalent en jaune et de plus haut niveau en rouge. Les ennemis inconnus apparaîtront en blanc. Lorsque vous croyez avoir atteint un niveau suffisamment élevé pour modifier le statut d'un ennemi, vous pouvez simplement vous en approcher pour voir si sa couleur a changé. Ah, donc on voit la dernière couleur connue en fait. Si ton ennemi est plus faible, agis sans trop réfléchir et va droit au but. Passe-le par le fer. Donc oui, ça je l'avais lu, si on fracasse un ennemi plus faible, il meurt tout de suite. Sinon, on passe en combat tour par tour. Les ennemis plus faibles peuvent être vaincus en une seule attaque. De plus, si le protagoniste est attaqué par un ennemi plus faible, il ne subira que des dégâts et ne sera pas forcé de participer à une bataille en équipe. Lorsque le curseur se trouve au-dessus d'un ennemi, verrouillez-le en appuyant sur LB. L'ennemi sera toujours visible et vous pourrez vous approcher de lui en attaquant. Alors on va faire la vision féerique déjà. Compris, maintenant on essaye mon garçon. Donc là ils sont en bleu. Bleu c'était quoi déjà? C'était inférieur? Ouais, donc là ils sont plus faibles, je peux les one shot. Ah, on peut pas sauter, on peut que faire des roulades. Hein. Par contre on peut courir. On appuie une fois et ça court tout le temps. On rappuie et on marche. Ah, j'oubliais, tu dois garder en tête une dernière règle. Ne baisse jamais ta garde, même devant des ennemis plus faibles. La chance peut vite tourner si tu te relâches, ne serait-ce qu'un instant. Si ça devait arriver, change de stratégie et bats-toi avec les autres. Garde ton calme et tout ira bien. Vous pouvez lancer des batailles en équipe contre des ennemis sur le terrain en utilisant Y. Si vous utilisez Y pour lancer une bataille en équipe sur un ennemi après avoir épuisé sa jauge limite avec des attaques, vous débuterez la bataille en équipe avec un grand avantage. Cependant, si vous êtes attaqué par un ennemi plus puissant, vous serez entré dans une bataille qui débutera avec le tour de l'ennemi. Quoi de neuf sinon Kaboom? Eh ben, les vacances dans une semaine, la Paris Games Week d'ailleurs, et puis ce jeu que j'attendais depuis très longtemps. Donc du coup maintenant je vais me mettre à fond dessus. Il y a eu le Zelda avant, il a duré presque 2 semaines, assez court le Zelda. Et puis voilà, puis le boulot toujours comme d'hab quoi.
J'ai ma fille qui vient pour les vacances, donc la semaine prochaine. Examine la situation et emploie différentes méthodes de combat. Cherche toujours un moyen de prendre l'avantage stratégique. Et toi, du coup, Kimi, quelles sont les news de ton côté? Alors, combat dans les donjons, évaluer les ennemis à proximité. Ok, on peut. Ok, bon, tout ça, on connaît déjà de la VOD. Hein. Ok. Rien ne remplace l'expérience personnelle. Habitue-toi à combattre d'ici à grand trade. Il faut absolument que tu saches te défendre. Alors lui, on le connaît pas, lui. Donc je vais essayer de l'assommer et de faire un combat en équipe. Comme ça, vous verrez. Donc voilà, là, on est au tour par tour, maintenant. Ils appellent combat en équipe. Si vous le souhaitez, vous pouvez recommencer une bataille en appuyant sur L lorsque votre tour est arrivé. Non. Appuyez sur RT. Assistance déplacera automatiquement le curseur sur un ennemi ayant une faiblesse à une compétence que vous possédez. Ah, c'est bien ça. On est toujours dans les délires de faiblesse à la persona avec un nombre d'actions par tour. Là-haut, vous voyez qu'on a 3 actions. Ils peuvent toutes tomber d'un coup si on se fait contrer ou des choses comme ça. Kimi, moi rien de spécial parce que je suis allé une semaine en Grèce. Ah, je vais y aller moi sûrement l'été prochain. Et sinon, je joue à Zelda et Assassin's Creed Odyssey du coup. Et bah Zelda, si tu galères, j'ai fait toute la soluce en VOD. On va tenter une frappe magique. Ça c'est aérien et lui c'est un oiseau, alors je sais pas trop. Ouais, c'est bon, ça passe. Vous avez vu qu'avec son pouvoir il s'est transformé du coup. La Grèce, j'y suis allé quand j'étais petit, Kimi, mais ouais, j'ai envie d'y retourner adulte, donc ça sera sûrement l'été qui arrive. Ah, vous avez peut-être pas entendu, mais il y avait les mantras du prêtre là dans la musique de combat. Bon, on va aller one shot. Ici, il y a un petit trésor, mais j'espère qu'il n'y a pas un ennemi. Il y a un petit piège là. Lui, on le considère comment du coup? Plus fort que nous quand même. Hein. Donc on fait une petite attaque en équipe. Surtout qu'on a le vieux là. À mon avis, on s'en sort bien avec le vieux pour l'instant. Oula, c'est quoi là-bas? Vous voyez le truc avec les ailes? Il a l'air chaud là-bas, celui-là. Bon, on verra ça plus tard en faisant le tour, mais ça a pas tardé en fait. Hein. Ouais, je le vois au loin là-bas. On a tout visité là? Ouais, on était là, ok, j'avais fait le tour pour rien. Ça me fait un peu penser à rester là. Ah bah de très très loin. Hein. Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vais essayer de l'étourdir. Et de faire un truc en équipe. Allez. Alors, utiliser des armes, passer, ok. Ah, il y en a deux en plus, super! Bon, ça va, ils sont faibles à la magie de l'air. Donc c'est cool. Écoutez la musique. Allez, on enchaîne. Ça me fait penser, Augustin, c'était toujours là. À Fire Emblem Houses.
La reboucle. Et du coup, vu que j'ai kiffé cette musique déjà, alors là, même si ça n'a rien à voir. Donc là, vu que j'ai monté un level, bah, je peux augmenter une compétence. Il y en a déjà une qui a augmenté. Mais je vais augmenter... Qu'est-ce que j'ai augmenté? Un petit peu de chance, là, pour changer. La map dit qu'il faut aller par là. Qu'est-ce qu'on a là? Un marchand? Oula, là on a un strum. On va se le faire. Donc, fasse gaffe à mes points de magie parce que c'est pas gratuit dans ce jeu à mon avis. Si c'est comme Persona, on va pas pouvoir en regagner souvent. Là ça va, on est au début du jeu, mais il faut faire gaffe même. Ouais ouais, l'OST elle est folle, qui met même la DA du jeu. Hein. C'est la première fois que je vois vos têtes dans les parages, vous n'êtes pas des bandits. Hein. De quoi parlez-vous? Maintenant que je vous vois de près, vous n'avez pas l'étoffe d'un truand. Je suis un peu à cran à vrai dire, j'ai l'impression d'être suivi. Plutôt marrant dans un endroit aussi désert. Que faites-vous dans un endroit aussi isolé? Par la sainte, vous n'avez rien à craindre de moi. Comme vous pouvez le voir, je suis qu'un camelot. J'ai un client régulier dans les environs, alors je suis là pour affaires. Mais les bêtes sont assoiffées de sang aujourd'hui. Je crois qu'un humain s'est pointé. Par exemple, vous avez entendu parler de l'humain qui surgit de nulle part pour détruire des villes tout entières? C'est terrifiant, non? Mes excuses, je ne voulais pas vous inquiéter. Bref, vous voulez acheter quelque chose? Ah, un marchand. On a combien de thunes? 900 balles. Donc ça, c'est pour rétablir un mort. Médicaments et herbes. Sans PV. Bah, je vais prendre un médoc. Peut-être deux même. Les herbes, j'en ai pas mal. Et voilà. Hello Alvarez, bienvenue sur la chaîne. Comment ça va? Est-ce que tu es le Alvarez auquel je pense, auquel je voudrais dire woyo? Oh, vous avez trouvé quelque chose à vendre? Je vous en donnerai un bon prix. Ah, c'est moi. Ah, voilà. Donc les amis, Gunther, Augustin, vous êtes toujours là ou vous avez fui? Rappelez-vous quand on a joué au Mother-like qui se passe à Montreuil. Sur le jeu sur lequel on avait bien trippé d'ailleurs. Il y a plein de choses dans les bois, beaucoup de camelotes mais aussi des matériaux. Mais je ne vais pas m'y aventurer aujourd'hui. Je vais rester ici jusqu'à ce que les bêtes se calment. Si vous trouvez quelque chose à vendre, vous savez où me trouver. Ok, on a acheté déjà. Comment ça va Alvarez? Et du coup, comment ça se passe le lancement, si tu peux en parler? Est-ce que ça a bien démarré du coup? La période peut être compliquée à partir de maintenant et jusqu'à Noël là. Il y a beaucoup 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 de trucs qui sortent. Essayez d'économiser un peu de MP, du coup ça passe. Bah écoute, ça va, cool. Nous on est sur un jeu de l'amour là, on l'attendait depuis longtemps. On vend pas des masses mais on a que des retours positifs. Ça va se faire avec le temps je pense. Faut pas lâcher la pub. Hein. Ah, j'étais pas obligé de faire du tour par tour là.
し合い。Ah ouais, c'est une tuerie. Ouais. En fait, tu sens que les mecs, ils ont mis, ils ont voulu mettre tout ce qu'ils avaient au niveau skill en fait, hein, vraiment. Donc, que ce soit la DA, le scénar ou le la partie développement, tu sens que les mecs ils ont fait ça. Enfin, c'est l'impression que ça donne en tout cas. Ils ont voulu mettre la max. Ouais. Et encore là, tu le vois en 1080p, mais je peux te dire qu'en 4K, là, j'en prends plein la tronche. Hein. Et pourtant, c'est pas mon, mon fer de lance, le graphisme. Ah, je me fais attaquer, là. Donc, on perd le premier tour. J'ai été trop bourrin. Si vous êtes attaqué par un ennemi dans un donjon, vous serez forcé de combattre dans une bataille en équipe. Ok, ouais, on avait capté. Ça va, on les démonte en équipe, donc ça va. Ça aurait pu être d'autres, quoi. On a perdu Gunther et Augustin, c'est dommage. J'aurais dû lui mettre un petit coup de magie, là. On va se le finir. Et après, il faut que je soigne. J'adore les espèces de... Ah oui, alors, justement, je sais pas si tu as vu le... J'en parlais tout à l'heure, Alvarez. Tu as vu la présentation... Il y avait une petite conférence de Atlus qui a été filmée, en fait, qui était avant le TGS. Pendant le TGS, mais au début, avant que ce soit ouvert au grand public. Donc ils ont fait la promo de leur jeu et tout ça. Et ils ont fait venir le gars qui chante. En fait, c'est un prêtre bouddhiste. Il donne déjà des... ou qui a donné des représentations en public et tout ça, déjà. Et qui récite des mantras. Et si tu fouilles sur mon Twitter, tu peux le trouver, je pense. Et c'est une dinguerie. Donc ils l'ont fait venir pour la conférence justement et chanter la chanson de combat. Ouais, c'est un truc que j'ai dû retweeter qui parle d'une conférence au TGS de Atlus et après il faut fouiller dans la vidéo. Je vais aller pécho l'item là. Je vais peut-être me soigner aussi. Est-ce que je peux me soigner avec des sorts? Kabuki, ouais. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas prendre des objets finalement? Ouais, je pense. Herbe déjà pour commencer. Hop, ouais. Ok. Et là, je peux pas sauvegarder par contre. Là, on est dans un donjon en fait, hein. Je peux pas sauvegarder. Je peux sauvegarder que au calme. Ouais, d'ailleurs, Alvarez, si c'est possible, si tu peux m'envoyer la playlist de l'OST du jeu de WoYo. Et n'hésitez pas, hein, ceux qui n'avaient pas suivi l'affaire, vous allez sur mon YouTube, point d'exclamation YouTube. Et juste les titres, hein, je voulais dire. Et vous verrez donc ce jeu de fou. J'avais pas rigolé comme ça depuis longtemps, hein, sur un jeu. C'est un jeu cocorico, les amis. Merci. Ouais, parce qu'il y a des sons là. Parce qu'en fait, j'ai eu une autre vie hip-hop France, FR Alvarez. Je sais pas si t'as connu le site rapdebombe.com. Rapdebombe.com. C'était moi, mais il y a longtemps. Et du coup, il y a des sons qui m'ont tilté et d'autres, je me suis dit, c'est quoi? Donc j'ai envie de découvrir d'autres trucs là. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes encerclés. Même ici, il semblerait que les monstres soient le cadet de nos soucis.
Ok, ben j'irai farfouiller alors. Je sais que vous m'entendez, montrez-vous. Vous préférez qu'on vienne vous chercher? Donc on était bien pisté. Hein. Bon sens qu'il est futé, le vieux débris, hein. Bah ouais, ça me dit grave, hein. Ça me dit grave, bien sûr. Je pensais que c'était, j'avais vu des photos, mais je pensais que c'était, ça n'existait pas, que c'était promotionnel, quoi, tu vois. Enfin, que c'était des mises en situation, mais je pense pas qu'il y avait un vrai collector du jeu. Mais du coup, ça pourra agrémenter l'article. Alors moi, j'ai un site web Ninexpress, mais c'est dédié aux jeux Nintendo. Par contre, sur GouacFR, je pourrais faire un article et comme on avait dit, essayer de calculer une interview et faire un package, un bel article, quoi. Cette raclure a fait son temps. Abattons-les sur le champ. Ah là, on a un espèce de boss, en fait. Hein. Je crains que nous n'ayons pas le choix. Bah écoute, on se recontacte. De toute façon, il faudra qu'on se voit, donc... on profitera de ces moments-là. Je n'ai jamais combattu de soldats auparavant, mais je n'hésiterai pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu un truc pareil. Ça ne vient pas d'un catalyseur. Alors, il y a de la magie hein, dans le jeu qui est... on peut matérialiser par des catalyseurs, c'est les colliers qu'ils ont autour du cou là. Mais là, ce qu'ils ont vu de notre transformation, c'est du jamais vu pour eux. Appuyez sur B pour vous défendre, ce qui utilise une icône de tour. La garde baisse grandement les dégâts subis par votre personnage et empêche l'exploitation de ses faiblesses. Ah, c'est bien ça! Ainsi, l'ennemi ne gagnera pas de tour. Ouais, lui, ouais. Là, c'est les gars de Persona. Hein. Bah, si t'avais fait Persona 3 Reload, déjà ils avaient mis le paquet dessus. Avant ça, Persona 5 Royal. Ouais, donc t'es ok. Tu connais. Je sais pas s'ils vont avoir la même faiblesse que les autres. Hein. Je préfère les taper. Quoi. Par contre, il m'avait conseillé de mettre ma garde. Ah ouais, parce qu'ils ont de la magie. Et comme ils frappent ma faiblesse, ils peuvent refrapper plusieurs fois. Quoi. Pendant une bataille en équipe, la formation de vos alliés peut affecter, en fonction de leur position, les dégâts qu'ils infligent et qu'ils subissent. Vos alliés en première ligne infligent plus de dégâts au corps à corps. Que l'arrière en inflige moins, mais subissent également moins de dégâts. Pendant la bataille, vous pouvez définir votre formation en utilisant les touches de déplacement haut et bas pour déplacer les membres du groupe d'une rangée à l'autre. Ah, c'est pas mal ça. Ok. Donc là on peut le mettre un peu en retrait pour le coup. Je vais me soigner quand même. A savoir que les autres membres de l'équipe ils attaquent automatiquement. Et ils font un peu ce qu'on fait. Si on fait de la magie, ils font de la magie. Et on fait de la frappe, ils frappent. Je vais le tenter le coup du cyclone, mais je crois pas trop que ce soit et sur le papillon et sur eux, hein, au niveau faiblesse. Mais pourquoi pas, vu qu'on est en début de jeu. Ouais, tu vois là, ça. Bah, du coup, ils ont même pas fait de la magie comme moi. Ils ont tapé. Là, ils me reciblent, enfoiré. Hein. On va tenter la parade, hein, parce qu'ils nous le proposent dans le tuto. Ok, donc du coup, la faiblesse ne marche pas pour le coup. Maintenant, on va le fracasser. Ouais, puis l'histoire Alvarez a l'air incroyable. Ce sont les gens du fort. Les survivants. Non, c'est pas ça.
Une sangle de simples déserteurs, n'est-ce pas? Ce n'était pas ma question. Comment peuvent-ils mobiliser une équipe de recherche aussi rapidement? J'ai eu... Ah ouais, bah ouais, ouais, c'était qu'une heure de jeu, ouais. Ouais, ouais. Une heure et demie peut-être. Faut revoir la VOD. Mais c'était pas plus que ça, ouais. Ce qui est clair, c'est que ce n'est pas de moi dont tu devrais t'inquiéter. Quoi qu'il en soit, je crois qu'on devrait partir. Dépêchons-nous. Nous y voilà. C'est terrifiant. Enfin, tu as bien dit que c'était abandonné. Erreur de la théocratie de la couronne. Je n'ai pas vu cet endroit depuis longtemps, moi non plus. Malgré le décret royal, j'entends encore dire que des mineurs s'y risquent en quête de richesses abandonnées. Je préfère largement des mineurs hors la loi à un détachement de soldats armés jusqu'aux dents. On se dépêche d'entrer ? Ça, je te l'accorde. Préparez-vous s'il le faut, mais faites vite. On va pouvoir sauvegarder et je suis bien content. Parce qu'on doit arrêter le live, hein. Il faut que j'aille bosser les amis, il est 13h30. Donc c'est bon, on a sauvegardé. On revient à l'écran titre et puis on va partir en raid. Je vais faire un petit... Je vais balancer un petit syndrome Kabuki. Préparer le raid. Donc ça va couper le son, désolé. Je passe sur l'interface de stream. Hop. Merci à tous d'avoir été là. Merci Alvarez d'être passé faire un petit coucou. N'hésite pas à repasser. On fait plein de jeux comme ça, sympa. Un petit peu de tout, des nouveautés, comme Oyo la dernière fois. De la Switch et du PC. Voilà. Et aussi des... J'adore les JRPG. Donc il y en a souvent. Je vous fais des bisous, des checks, soyez forts. On se retrouve prochain live demain matin pour Emio, chapitre 7. On continue le let's play, le long let's play de Emio tous ensemble. Emio qui est l'enquête un peu dark de Nintendo. Et il y aura peut-être aussi l'unboxing et le test de Alarmo, le réveil Nintendo. Voilà, parce que moi-même j'ai craqué pour Alarmo. Donc on se fera le unboxing et le test. D'ici là, portez-vous bien, bon après-midi, bon début de week-end, le syndrome Kabuki et ensuite le raid. Bye bye. La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. Le syndrome de Kabuki a été décrit par Noreo Nikawa en 1981 au Japon. Et il touche une personne sur 32 000. Le nom du syndrome a été donné en référence au Kabu, le fameux Kabuki au Japon. Kabuki au Japon. Quel âge donneriez-vous à ce jeune homme ? Le fameux Kabuki. Ce syndrome n'est pas forcément étrange en soi. Étrange en soi. Au Japon. Mon père, lui, reste indifférent, mais ma mère, elle en a un peu ras-le-bol. Parce que ça fait beaucoup de bruit. Le fameux Kabuki. Avant de vous l'expliquer, quel âge donneriez-vous à ce jeune homme ? Le fameux Kabuki. C'est le nombre de symptômes que comporte le trouble qui est impressionnant.